Suivez notre émission Hitimanihili avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill. Chers auditeurs, Yorana et bienvenue sur les ondes de Hiti FM. Aujourd'hui, la team Hiti FM a le plaisir de recevoir notre invité et nous allons lui demander de se présenter. Yorana, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Tewira Teva Angelo di Baggio. Alors Teva, nous avons déjà eu l'occasion de te recevoir au plateau justement pour parler d'une de tes passions qui est le va. Aujourd'hui, nous parlons avec toi sur le sujet de la musique. Peux-tu nous dire depuis quand tu vis cette passion? Ben, depuis toujours, depuis jeune, que j'ai vu cette passion. Parce que j'ai commencé par chanter dans la chorale adventiste et à l'église. Et voilà, et c'est resté cette passion et de fur et à mesure. Alors Teva, tu es un enfant de Tahiti qui vit actuellement aux îles Marquises, où tu as créé justement un groupe. Peux-tu nous parler de ce groupe? Oui, j'ai grandi ici à Tahiti, à Punaouia. Et aux Marquises, j'ai créé un groupe qui vient d'un autre groupe qui s'appelle Matafenua, et depuis 2 ans on a créé un nouveau groupe avec des copains qui s'intitule aujourd'hui Mohotani. Mohotani, peux-tu nous donner la signification pour ceux qui ne connaissent pas? Mohotani, c'est le cri du moho. C'est l'oiseau emblématique d'une île qui s'appelle Mohotani aussi, ou Montané, qui se trouve dans les îles Marquises du Sud. Alors comment est venue justement cette idée-là de créer un groupe de chant? Est-ce que c'est selon les rencontres que tu as eues avec des copains et tout? Voilà, tout à fait. C'est tout d'abord une passion partagée, comme tu le dis, à travers des rencontres de plusieurs musiciens qui compose aussi mon groupe, dont je vais citer les noms. Mm-hmm. Donc il y a Toto Reeves qui est avec moi au chant, au Kamaka. Et on a Christian Dual qui est notre batteur. Et on a Jean-François Adam qui est notre bassiste. Et nous avons notre soliste en guitare, Tohiro Alphonse. Et moi-même chanteur et qui joue aussi au Kamaka, Tewira Teva di Baggio. En gros, c'est un orchestre complet. Oui, c'est un orchestre complet quand même. Donc on voit de tout aussi aux Marquises, quoi, que ça soit dans la culture, que ça soit dans la pirogue, mais aussi dans le chant. Oui, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on organise la fête de la musique. On essaie de faire des événements. Comme dernièrement, l'année dernière, au mois de novembre, la commune de Hivaawa, avec le comité festival Eohimini, a organisé un festival de musique où tous les groupes de n'importe quel style des îles Marquises pouvait se produire. C'est une grande scène, comme presque une scène comme toi. Et puis c'était carrément magnifique avec le concours d'autres groupes aussi comme Tikahiri et Manahune aussi qui sont passés chez nous. Alors concernant justement la musique aux Marquises, est-ce que c'est une chose qui se développe bien aux Marquises? Ouais, très bien même. Déjà par exemple, nous avons le groupe de Poiti Takanini qui a beaucoup bien marché aussi. Il y a d'autres groupes aussi qui commencent à émerger. J'ai aussi un copain qui est à Rapa Nui, Tekuhei Keiha, et lui aussi fait de la très bonne musique aussi. Alors, on a l'habitude de voir le style de musique de Rataru. Oui, Rataru, ensuite, mon ami.
Nous avons aussi Takanini qui commence à se détacher un peu sur son style à lui. Quel est justement le style de musique de Mohotani? Ben, c'est une musique en tout genre, mais nous on est plutôt basé sur le reggae. Hein. C'est, on dirait plutôt le style Jawayan. Jawayan, et ben, nous on a créé le style Jackizian, quoi. Voilà, c'est plutôt dans le style un peu reggae. Hein. C'est, voilà, ça a tendance reggae, mais on joue de tout. Hein. On joue de tout aussi. Hein. Donc sur un rythme de reggae, vous mettez justement les paroles marquisiennes, vous essayez justement de raconter la culture marquisienne, c'est Voilà, ça? on essaie de raconter la culture marquisienne, on essaie de raconter la vie de tous les jours, on essaie aussi de porter des messages à travers les chants, des messages pour notre jeunesse, des messages pour tout le monde, quoi, pour la jeunesse marquisienne, voilà. Est-ce que parmi vos répertoires, vous avez des reprises de chants ou la plupart ce sont des compositions? On fait des reprises, mais la plupart de nos chants, ce sont que des compositions. Il n'y a que des compositions. Ce sont des compositions faites par toi ou Oui, par tout le monde? la plupart sont faites par moi. Et j'ai aussi deux, trois copains qui sont avec dans mon groupe, qui composent aussi, hein, composent pas mal aussi. Hein. Ok, donc Voilà. on va revenir justement sur la partie composition. Oui. Comment tu arrives à avoir cette inspiration-là de composer? Car justement, la composition d'un chant, c'est pas du tout facile quoi, à trouver une histoire et ensuite de placer des notes dessus. Ben, je sais pas, ça, des fois ça me vient comme ça. Hein. Ça me vient comme ça, la compo avec la mélodie. Et puis des fois, quand je suis vraiment inspiré, ben tout de suite je prends mon cahier et puis j'écris de suite sur une page la mélodie. Et puis j'essaie de retenir la mélodie. Parce que le plus important, je pense, dans une compo, c'est d'avoir une mélodie. Trouver une mélodie dans des millions de mélodies, c'est quand même difficile de se différencier de toutes les musiques, quoi, pour ne pas copier. Hein. Donc voilà. Et puis dessus, on adapte une histoire, un message que tu peux placer sur cette composition musicale. Donc, juste après la composition, est-ce que Mohotani a prévu de sortir un album très bientôt? Ou est-ce que c'est déjà fait? Non, c'est pas déjà fait. On est en train de travailler sur les morceaux. Et puis, ben, beaucoup de personnes nous ont demandé si on n'avait pas fait d'album, que quand même ça coûte, hein. Ça coûte aussi de faire un album. Et aussi, comme on est aux Marquises, donc ça coûte aussi de venir jusqu'ici. Les billets d'avion, le logement, tout. Et donc c'est pour ça, il faut quand même un soutien financier pour que nous puissions nous développer à faire un album. Hein. Mais sinon, c'est sur la voie de pouvoir C'est un faire. Hein. projet. Ouais, c'est un projet. Hein. Où est-ce qu'on peut retrouver aux Marquises le groupe Mohotani? Est-ce qu'il y a des endroits où vous animez ou... Ben, nous sommes situés à Hivao, hein. À Hivao, à Hatouna. Mais sinon, ben, nous sommes connus dans tous les îles Marquises. Hein. On a fait le festival, on fait la fête de la musique. Voilà, on participe à beaucoup, beaucoup d'événements aussi pour aider, hein, que ce soit chrétienne et autres. Je pense que peut-être ce sera une occasion pour vous de faire un peu de publicité pour le groupe Mohotani. Donc, je pense que pour tous ceux qui souhaiteraient avoir une animation, mariage ou autre, est-ce que c'est possible? Si oui, quel est le contact? Ben, contactez-moi et ben, je donnerai toutes mes coordonnées à la radio Hiti FM. Et à partir de là, vous pouvez contacter la radio Hiti FM pour pouvoir avoir mes coordonnées. Théba, on arrive presque à la fin de notre discussion. As-tu un dernier message à faire passer à nos auditeurs? Ben, un grand bonjour et encore une fois à la population de Punaouia et à toute l'île de Tahiti. Et aussi à tous les musiciens, à tous les copains qui me reconnaîtront, ben, Kaohanui à tous et Harit Merci beaucoup, Théo, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de t'avoir accueilli encore une deuxième Merci, fois merci sur le beaucoup. plateau. On souhaite que de bonnes choses pour le groupe Mohotani. Voilà donc, chers auditeurs, nous venons d'arriver à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Voilà donc, nous avons reçu Teva Tewira sur le plateau de Hiti FM qui est venu nous parler de son groupe Mohotani. On se dit à la prochaine. Allez, Nana! Voilà, I'm
Suivez notre émission Hitimanihini avec notre partenaire Concept Grill. Concept Grill pour les créoles. Concept Grill.